En situation de pratique, il est parfois plus judicieux d'utiliser la fonction loop play plutôt que de copier-coller à outrance un même motif. Quelques explications. Voici un motif de percussion. Certains chanteurs, instrumentistes, musiciens souhaitent peut-être travailler sur cette percussion, leur instrument ou leur voix. Aussi, plutôt que de copier-coller, nous allons utiliser la fonction loop play. Pour cela, je laisse ma flèche située sur le bouton play, mais vais appuyer et maintenir la touche shift enfoncée. Le bouton play change d'aspect et indique bien qu'il va boucler le motif. Le motif est donc répété sans aucune autre manipulation de ma part. Je peux également sélectionner une zone à répéter, auquel cas il me faut cliquer, glisser, puis refaire la même manipulation, me placer sur le bouton play, maintenir Shift enfoncé et cliquer. Voici pour la fonction Loop Play.